Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, on est lundi, je vous filme un autre weekly vlog cette semaine. Je dis un autre parce que j'ai quand même beaucoup vlogué dans les dernières semaines. Puis habituellement je prends des pauses, je vlog pas toutes les semaines parce que mes semaines finissent quand même par se ressembler avec une job à temps plein. Mais avec le printemps qui s'en vient, on a vraiment de la belle température qui arrive dans les prochains jours. On dirait que ça m'inspire puis j'ai juste le goût de vlogger. Fait que j'ai pris ma caméra ce matin, c'était même pas prévu, puis je vous filme un weekly vlog. J'adore qu'on voit ma chandelle et mes fleurs présentement en arrière, c'était même pas voulu, mais c'est très printanier, puis je pense que ça représente bien la vibe de ce vlog. Il fait genre 15 degrés aujourd'hui, gros soleil, fait que c'est comme la plus belle météo qu'on a eue depuis des mois. Je suis vraiment contente, même si je travaille aujourd'hui puis que je sortirai pas. Puis une des raisons pourquoi je ne sortirai pas cet après-midi, j'aurais bien voulu aller prendre une marche, peut-être que je vais y aller ce soir, mais c'est l'éclipse aujourd'hui et je n'ai pas de lunettes, fait que je pense pas que je vais aller à l'extérieur, je prendrai pas de chance, parce que je vais pas gâcher ma vue qui est déjà comme pas la meilleure. Puis c'est une éclipse partielle à Québec, fait que j'ai juste pas acheté de lunettes, je trouvais pas que ça valait la peine, en plus que c'est dans le milieu de l'après-midi, il aurait fallu que je me déplace. Comme, je sais pas où pour aller la regarder parce que clairement que je pourrais pas la voir à partir de mon balcon. Fait que j'ai juste pris la décision de pas nécessairement la regarder. Peut-être que je vais comme me connecter à un live. Je sais qu'il y en a plein sur Facebook puis il y a plusieurs de mes amis qui vont faire ça. C'est tout pour la petite introduction de ce vlog. Sur ce, j'ai terminé ma pause dîner, fait que je vais retourner travailler puis je vous parle un petit peu plus tard. Si vous avez écouté mon dernier vlog, j'ai acheté ces fleurs-là chez Walmart vendredi. Puis on est maintenant presque 3 jours plus tard et ils sont encore magnifiques. Je pense que c'est des œillets si j'ai bien fait mes recherches. Puis j'ai pris comme une variété plus pâle, une variété plus foncée un peu. Je trouve tellement que c'est cute. Ça m'a coûté comme 10$ puis ils sont encore magnifiques. Fait que vraiment je recommande. Si vous écoutez souvent les vlogs, j'imagine que vous doutez pourquoi je suis à ce spot-là en ce moment. On dirait que c'est rendu mon spot à unboxing. Puis je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. J'ai reçu mon beau colis de la part de Sephora, quand même assez lourd. Cette fois-ci, c'est mes achats de la vente semi-annuelle qui font 2 fois par année. Donc j'ai fait quelques petits 8 stocks. Et il y a aussi des items là-dedans qui sont pour ma mère parce que tant qu'à avoir le 20% de rabais sur mon compte avec le VIB rouge, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut, puis après je passe sa commande et ça ramasse les points dans mon compte aussi, fait que c'est du gagnant-gagnant. Voilà de quoi a l'air la boîte, ça paraît pas, mais il y a quand même 300-400$ de produits là-dedans, ça monte quand même assez vite au Sephora. Premièrement, pour les échantillons que j'ai choisis, maintenant c'est 2, fait que j'ai pris la crème Waterbank de La Neige. Je suis quand même devant la fenêtre, fait que vous voyez peut-être pas super bien, mais j'aime beaucoup cette crème-là, fait que ça fait bien si je pars comme une nuit puis je veux pas emmener tous mes produits. Et il y avait aussi le Soft Pinch de Rare Beauty dans les couleurs Hope et Happy. Premièrement, ma mère m'avait demandé il y a comme, je pense, 3 semaines de faire un restock de ce produit-là, puis j'ai dit d'attendre parce que je savais que la vente s'en venait. Puis les produits Sephora Collection sont 30% de rabais pendant la vente, encore mieux que le 20%. Et qu'elle a pris l'eau micellaire Sephora Collection, comme j'ai dit. C'est quand même un gros format, je pense que c'est le plus gros qu'ils ont, 400 ml. Puis ça fait des années qu'elle l'utilise puis qu'elle l'aime beaucoup. Fait que ça, c'est le premier item qu'elle a choisi, ça va de la peine pendant la vente. Ensuite, on a le fixatif pour les cheveux de Living Proof. Ça disait que ma commande devait être shippée par voie terrestre au lieu de par avion vu qu'il y avait ce produit-là à l'intérieur, mais c'est arrivé en comme une journée ouvrable, fait que je sais pas si c'était vraiment le cas, mais vu que c'est un produit comme explosif, c'est pour ça que c'était censé être plus long, mais j'ai commandé vendredi à minuit, puis c'est arrivé aujourd'hui, fait que ça a vraiment pas été super long. Et le dernier produit qu'elle m'a fait acheter, c'est un mini format de la poudre translucide de Laura Mercier. Mais celle-là, c'est la Ultra Blur. Fait que je pense qu'il y a une différence avec la poudre régulière que moi j'utilise. Fait que je sais pas exactement c'est quoi la différence, mais c'est elle qu'elle a choisi. Fait que voilà, petit format pour le voyage. C'est pas vrai, il restait un produit pour elle. C'est le Deep Brow de Anastasia dans la couleur taupe. C'est le produit que j'utilise aussi pour mes sourcils, mais je n'étais pas due pour un restock, fait que ça c'est à elle. Maintenant pour les items que j'ai commandés pour vrai, on a le Fix Plus de chez MAC, un essentiel pour moi depuis le cégep. En fait, c'est beaucoup des affaires que j'utilise depuis le cégep. J'ai comme ma routine depuis des années que j'adore puis que je rachète tout le temps. Fait que voilà, c'est quand même rendu cher. Ils ont augmenté les prix depuis 2 ans. Là. Avant, dans ma tête, c'était comme 30$, puis c'est rendu comme, je pense, 45 pour le Fix Plus. Fait que j'essaie de pas trop utiliser des sprays pour le fun, mais je trouve vraiment que ça fait tenir le maquillage puis ça rend le tout un peu moins comme poudreux. Fait que j'ai quand même décidé de le racheter. Next, on a le Beauty Blender. J'achète tout le temps l'original. Je sais qu'il y a des bons dupes, mais je trouve vraiment que celui-là, il se lave bien puis il reste beau longtemps. Fait que c'est lui que je finis par racheter, mais c'est quand même très cher pour une éponge. Fait que ça va être des recommandations. Peut-être que j'essaierai une autre. J'ai utilisé Elle de Quo pendant quelques années.
mais on dirait que c'est dur à battre d'avoir comme l'original. Pour terminer, on a deux crèmes. Premièrement, la crème de jour que j'utilise, c'est le Water Sleeping Mask de la neige. Je sais que c'est un masque de nuit, mais c'est ce que j'utilise tous les matins en dessous maquillage depuis des années. Puis je trouve que ça fonctionne super bien pour moi. Puis je trouve que c'est quand même assez léger pour être une crème de nuit. Fait que moi, je la porte comme base de maquillage, puis j'aime beaucoup. Il y avait une nouvelle crème qui a été lancée, c'est pas celle-là, je me rappelle pas c'est quoi le nom exactement, peut-être que je vais vous mettre une image, de la neige, l'emballage est rose, puis c'est comme pour illuminer. Il y avait tellement des bons commentaires, j'ai vraiment hésité à l'acheter, finalement je l'ai enlevé dernière minute de mon panier, mais s'il y en a d'entre vous qui l'ont testé, puis que vous trouvez que c'est un bon achat, vous me le direz dans les commentaires parce que j'ai vraiment hésité. Et le dernier item le plus cher de la commande, comme à chaque fois, c'est le Water Cream de Tatcha, c'est ma crème de nuit depuis au moins 4 ans, je pense. C'est une crème très très dispendieuse, je le dis à chaque fois, ce n'est pas nécessaire dans une routine. Je pense pas que ça change des vies, mais je trouve tellement que c'est une crème qui est agréable, légère mais pas trop, qui est bonne à l'année longue. Évidemment, si je devais couper à quelque part dans mon budget, ce serait comme la première place que je couperais parce que c'est vraiment pas un besoin. Cette crème coûte 97$, mais je l'aime vraiment. Fait que, comme je dis à chaque fois, j'ai fait l'erreur de la tester et de l'adorer, puis c'est pour ça que je la rachète toutes ces fois-là. Mais ouais, j'en profite pour la commander pendant les ventes VIB parce que c'est quand même 20% de rabais. Fait que vous sauvez presque 20$ sur cette crème-là seulement. Fait que je trouve que ça vaut la peine dans ce temps-là, mais à plein prix, je trouve vraiment que c'est comme trop dispendieux. Même en rabais, c'est quand même assez cher. Fait que je la recommande si vous avez le budget pour. Sinon, c'est juste pas une nécessité. C'est tout pour mes achats de la vente VIB. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse tous les produits dans la description que j'ai mentionné. Puis comme j'ai dit, j'hésite encore à acheter la nouvelle crème de la neige. Fait que c'est possible que je passe la commande dans les prochains jours. Si oui, je vous tiendrai au courant. Mais c'est tout ce que j'ai acheté pour le moment. Contre toute attente, je suis parfaitement placée par rapport à au soleil. Fait que j'aurais pu regarder l'éclipse à partir de mon patio. Mais comme j'ai pas de lunettes, je vais pas m'approcher, je vais pas regarder parce que ça me tente pas de devenir aveugle, puis je vais juste rester assise sur mon divan, là je suis comme cachée un peu par le rideau, fait que c'est parfait, puis je vais juste regarder le live de Radio-Canada sur mon ordi pendant que je travaille. Je pense que ça va être la meilleure façon pour moi de voir de toute façon, puis ouais, il reste comme 10 minutes, fait que je suis curieuse de savoir à quel point ça va être sombre dans l'appart, mais ouais, on voit quand même une bonne différence. Tant qu'à être assise sur mon divan, puis à pas voir grand chose, je me suis installée avec mon live. Je pense que l'éclipse totale est dans genre moins de 1 minute. Je me suis installée avec mon coke, mon téléphone, devant le spectacle, même si je pourrais pas regarder directement. Puis je suis justement bien placée que je vais voir la noirceur, mais je vais pas regarder le soleil. Fait que c'est pas dommageable pour mes yeux. Les gens sont en train de virer fou en vrai. Je pense que c'est une vibe complètement différente, surtout si c'est une éclipse totale. Je pense que le plus fun pour moi, c'est d'écouter Charles Tissère, comme tellement impressionnée par l'événement. Ah, c'est fou là! Il fait tellement sombre présentement, what? Je pense que ça fait pas justice à la caméra, mais il fait clairement sombre dans mon appart en ce moment. J'ai l'impression que je suis dans la noirceur complète. Genre, checkez-moi ça dans le corridor là-bas. Il n'y a plus aucune lumière. Quand même impressionnant. J'étais curieuse de voir s'il y avait plusieurs gens qui le regardaient comme de l'extérieur. Fait que je suis sortie sur mon balcon de dos avec mes lunettes de soleil. J'ai vraiment pris aucune chance. Puis effectivement, il y avait des gens qui s'étaient installés sur les balcons puis qui regardaient. C'était quand même cute. Je trouve que c'est quand même rassembleur. Je vais pouvoir me rasseoir sur quelque chose d'un petit peu plus confortable que sur mon plancher et continuer la liste d'influenceurs que j'avais commencé il y a quelques minutes. Quelques heures plus tard et je me suis réinstallée sur mon divan. Je suis toujours dans le même spot, mais j'ai mangé puis j'ai fait ma vaisselle entre-temps et là je suis de retour ici. Puis je suis en train de scroller sur Instagram, en train de procrastiner, de faire mon montage parce que ça me tentait pas de commencer tout de suite. Puis j'ai vu passer un post des chefs. J'avais complètement oublié que la saison 13 commence ce soir. Puis je suis tellement excitée, c'est comme la chose qui me donne le plus hâte au printemps. C'est vraiment un highlight tout le temps de la saison pour moi. Puis je l'écoute depuis la saison 1 quand j'avais comme 9-10 ans. Je l'écoutais avec mes parents, je l'écoutais toutes ces années-là avec eux. Puis maintenant je l'écoute dans mon appart chez moi depuis quelques années. En plus c'est une longue émission de 90 minutes ce soir, fait que ça commence à 7h30. Fait que j'ai 1h10 top chrono pour faire le plus de montage possible, clencher ça, puis par la suite je vais pouvoir écouter les chefs. Vraiment excitée pour vrai, c'est tellement une de mes émissions préf, même si je suis zéro capable de cuisiner. Fait que je vais arrêter de procrastiner, je vais m'installer pour faire mon montage. J'ai quand même bien avancé hier soir, mais j'étais super fatiguée, fait que j'ai closé ça. Mais je pense que je suis capable de terminer mon rough cut dans la prochaine heure environ. Et après je vais pouvoir m'installer tranquille, puis profiter de mon lundi soir. C'est vraiment un beau plan de match selon moi. Thank you.
ou je sais pas si on peut dire bon midi parce qu'il est 11h15. Juste avant ce clip-là, j'ai échappé ma caméra quand même assez fort, fait que j'espère que tout fonctionne. Au début, j'étais comme « Oh mon Dieu, le focus a pas l'air de marcher. » Là, ça a l'air good. On va espérer que ça reste comme ça. Je sors tout juste de ma première rencontre de la journée de 2. J'avais une rencontre avec des clientes, puis cet après-midi, j'ai une rencontre avec un de mes comités internes à 1h. Pendant le meeting, les clientes m'ont donné le numéro de téléphone du gérant du resto où on doit organiser un événement à Québec cet été. Puis je dois me rendre au resto pour rencontrer le gérant et voir le restaurant, prendre les mesures, tout ça, poser mes questions pour organiser l'événement. J'ai combattu ma peur Gen Z de parler au téléphone et j'ai directement appelé le gérant. Puis là, comme j'avais fait un petit texte parce que je me disais, je veux être le plus efficace possible puis comprendre c'est quoi le but de mon appel et qu'il se demande pas comme comment cette fille random a eu mon numéro de cellulaire. Fait que tout de suite, j'ai dit comme j'ai eu le numéro de téléphone de la part de telle cliente, je travaille pour telle agence, tu sais, j'y explique comme le plus possible quelle est la raison de mon appel, tu sais. Puis là, il me coupe puis il est comme « Ah, mais tu sais, oui, on fait ça sur notre terrasse cet été, mais on n'organise pas d'événements. Je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. » J'ai appris directement au gérant qu'il organisait un événement puis il était même pas au courant. Fait qu'en tout cas, je dois me rendre là demain en fin de journée pour revisiter le site puis poser des questions directement au gérant. Mais il annonce quand même beaucoup de pluie cette semaine, fait que j'espère juste que ça sera pas trop le cas au moment de ma visite. Comme c'est à l'extérieur, ça serait le fun qu'il fasse comme pas de la grosse pluie. Genre le 20 mm de pluie qu'annonce vendredi. Je suis en train de texter mon amie Meg en ce moment parce qu'elle devrait peut-être acheter ses billets d'avion possiblement aujourd'hui pour notre voyage de cet été. Si t'es pas au courant, je vais voir Taylor Swift à Munich au mois de juillet avec mon amie Meg. Puis on a acheté les billets du show l'été passé. Moi, j'ai booké mes billets d'avion en février, mais elle pouvait pas les booker à ce moment-là. Puis elle devrait acheter ça aujourd'hui, fait que ça va être vraiment confirmé. On va savoir quand elle arrive, quand moi j'arrive, puis on va se rejoindre directement là-bas. Je sais pas quand que je vais vraiment dévoiler mes plans de voyage, mais je fais une partie du voyage avec Meg, puis par la suite, je change de pays, puis je vais ailleurs en Europe avec mon amie Charlotte, puis elle va me rejoindre là-bas. Fait que c'est quand même beaucoup de logistique de gérer tous ces transferts-là, puis de quand je rejoins qui. Fait que je suis bien excitée. Peut-être qu'elle va me FaceTimer tantôt ou m'envoyer des vidéos quand elle va booker ses billets, mais ça devrait se faire aujourd'hui. Fait que, ouais, c'est bien excitant tout ça. Il est rendu 3h30. Je me rappelle pas c'est quel le dernier clip que je vous ai parlé. Je pense que c'était sur mon ordre. Depuis ce temps-là, on a booké les billets d'avion à Meg. Je dis on parce que j'ai essayé de faire le processus avec elle, mais ça buguait, fait qu'il a fallu qu'elle appelle finalement Air Canada. Mais c'est fait, fait qu'on part officiellement à Munich au mois de juillet. Moi, c'était déjà officiel depuis presque 2 mois, mais c'est vraiment excitant de savoir que elle peut officiellement comme venir avec moi, on a la date, on a tout ça, fait que c'est vraiment très très le fun. Fait qu'on va pouvoir commencer à planifier ça en fin de semaine. Puis côté travail, j'ai eu un meeting avec un comité interne et j'ai envoyé des invitations pour un événement qu'on organise au mois de juin. Fait que j'ai fait un peu de ça et j'attendais des retours clients pour faire quelques suivis. Fait que là, j'ai parlé à une cliente au téléphone, elle m'a donné le go. Fait que j'attends des retours influenceurs pour des concepts. Puis il faut confirmer quand le tournage de leur contenu va se faire parce que ça se fait en restaurant, c'est une campagne de nourriture. Fait que je dois confirmer avec chacun de mes influenceurs quand ils vont aller tourner leur contenu et à quel restaurant. J'aime ça ce genre de journée-là parce que c'est super diversifié. Puis souvent si j'essaie de faire comme une même tâche pendant 3 heures, je vais me tanner puis comme vouloir passer à autre chose ou écouter une série, peu importe, pendant que je travaille. Mais là, ça me garde on my toes. Et je peux faire plein de petites tâches une après l'autre depuis tantôt. Plein de projets super excitants sur lesquels je travaille cette semaine. J'ai vraiment un horaire qui comme se remplit à mesure parce que je sais jamais comme quelle réponse je vais recevoir. Fait que je peux pas tant planifier mon horaire à l'avance. Des fois, je vais comme aller dans mon calendrier dans 2-3 semaines rajouter une tâche que je sais que j'aurai pas le choix de faire à ce moment-là. Mais là, c'est vraiment comme go with the flow cette semaine. C'est correct. Il y a des journées comme ça, puis ouais, des fois j'aime ça planifier, mais des fois c'est le fun de garder ça comme libre aussi comme horaire. Je
Je sais pas pourquoi, je suis mêlée dans mes journées cette semaine. Ça m'arrive plus quand on a comme des fêtes de semaine de 4 jours ou ce genre de choses-là, mais cette semaine, je sais pas pourquoi, hier j'étais convaincue qu'on était mercredi quand on était mardi. Fait que j'avais hâte d'écouter mes émissions, genre Abbott Elementary, Not Dead Yet, et non, c'est ce soir. Puis quand je me suis réveillée ce matin, j'étais sûre qu'on était jeudi. Fait que je pense que ça va me suivre jusqu'à la fin de la semaine, malheureusement. Ce matin, j'ai vraiment travaillé plus sur un projet au travail, vraiment notre client qui est un restaurant, pour finaliser l'approbation des briefs, prévoir les tournages. D'ailleurs, j'ai des influenceurs qui sont en train de tourner leur contenu en ce moment. Puis le reste va se faire pendant la fin de semaine. Et cet après-midi, je me concentre beaucoup sur un brief influenceur pour une campagne qui va commencer au mois de mai. C'est vraiment axé sur comme la famille, les mamans. Fait que je fais le brief, puis ce matin, j'ai finalisé la liste justement de nos profils coup de cœur qu'on va pouvoir contacter et à qui on va envoyer le brief. Sinon, je pense que je l'ai mentionné hier, mais à la fin de la journée, je dois aller dans un restaurant pour faire le site visite et s'assurer que la terrasse du restaurant va convenir pour la structure qu'on veut mettre, savoir c'est quoi les dimensions, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Fait que je devrais partir dans le coin de 3h30 pour être sûre de me rendre à l'heure. Je sais pas s'il va y avoir du trafic, fait que c'est pour ça que je préfère partir à l'avance. Si ce temps-là, je travaille sur le brief, je vais pouvoir envoyer tout ça aux clientes quand ça va être terminé pour qu'ils me valident le brief et la liste influenceur. Fait que voilà, plusieurs projets sur lesquels je travaille aujourd'hui. Je travaille à ma table, fait que j'ai mes fleurs devant moi aujourd'hui et je tiens à mentionner comment je suis surprise qu'ils sont restés aussi belles. Ça fait presque une semaine que je les ai achetées, puis j'avais comme pas des grosses attentes de des fleurs du Walmart, mais ils sont encore aussi belles ou même plus que quand je les ai achetées. J'ai aucune idée si c'est comme les fleurs ou si c'est le mélange, la petite poudre qu'ils vous donnent pour mettre dans l'eau. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'ils sont restés aussi belles. Pour le prix, honnêtement, je suis super satisfaite et que je vais sûrement en racheter là les prochaines fois. Très nice! Et sur ce, je vais retourner à mon brief parce que j'aimerais ça avancer le plus possible, puis je vous retrouve sûrement quand je vais être pour partir à ma visite tantôt. J'avais complètement oublié que j'avais un colis PR qui s'en venait cette semaine, fait que c'est vraiment une belle surprise pour moi quand le livreur a appelé, comme vous pouvez voir par la magnifique enveloppe, c'est de la part de Kiss Me, c'est des étuis de leur nouvelle collection de printemps. Voilà les deux modèles que j'ai choisis. J'ai essayé vraiment d'y aller différent de ce que j'ai d'habitude parce que j'ai beaucoup d'étuis fleuris, mais je voulais comme aller avec des teintes un peu plus différentes. Le premier est plus comme vert, je dirais, avec des petites fleurs, et le deuxième, encore une fois, des petites fleurs, mais on est plus dans le rose, le orange, fait qu'ils sont très cute les deux. Malheureusement, je l'ai vu tout de suite en les ouvrant, c'est des modèles pour le 13 Pro Max et non le 13 Pro. Qu'est-ce que j'ai? Fait qu'ils sont un petit peu trop gros, fait que je vais écrire à Kiss Me pour voir qu'est-ce qu'on peut faire puis essayer de trouver quelqu'un qui pourrait utiliser ceux-là dans mon entourage. La collection est officiellement lancée depuis quelques jours, fait que je vais mettre le lien vers les deux modèles dans la description. Est-ce que mon code affilié, habituellement c'est 10% de rabais sur toutes vos commandes si vous utilisez le code MAXIMEF10, mais si je me trompe pas, j'ai un code pour 15% en ce moment, fait que je vais mettre toutes les infos juste ici et dans la description si ça vous tente de magasiner la nouvelle collection ou n'importe quelle collection de la part de Kiss Me. Vous savez que j'ai deux faiblesses pour qu'est-ce qui est dépenses de vêtements. Premièrement, quand je pars en voyage. Deuxièmement, l'été. Les vêtements d'été, c'est tellement ma chose préférée. Et quand la saison plus chaude s'en vient, on dirait que j'ai le goût de comme tilter puis de dépenser tout mon argent dans des vêtements. Je me suis quand même retenue, mais j'ai passé une autre commande chez H&M. Vous avez écouté mon dernier vlog, j'avais passé une commande de deux morceaux et il y avait un rabais cette semaine pour les membres. 20% de rabais si vous dépensez plus que 100$. C'est pas très aligné avec mon objectif de comme mettre le plus d'argent possible de côté pour mon cash down de maison, mais je me donne le droit quand même à un petit budget par mois de vêtements. Puis avec le rabais, je trouvais que ça valait la peine, fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Juste en sortant la pile de vêtements comme ça, on voit que c'est clairement dans ma thématique de couleurs et dans mon style. Le premier morceau que j'ai choisi, c'est cette robe ici, rose. Je la trouvais parfaite pour l'été, super comme girly. Et je voyais vraiment comme un Europe summer pour cette robe-là. Fait que voilà, elle est rose avec un petit motif fleuri. Et le haut est un petit peu plus serré et comme froncé. Je suis comme pas certaine si ça va fonctionner pour ma taille de poitrine. We'll see. Mais je la trouvais juste vraiment belle puis parfaite pour l'été. Le deuxième morceau que j'ai choisi, évidemment, j'avais pas le choix de prendre un t-shirt parce que pour moi, c'est comme impossible de passer une commande chez H&M sans acheter un nouveau t-shirt blanc ou beige. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. C'est un t-shirt qui est écrit Amalfi Coast avec des écritures bleues et rouges. Je le trouvais juste vraiment cute puis
Le tissu est juste vraiment, vraiment doux, super de qualité. J'ai pris medium pour qu'il soit un peu plus oversize. Et vous savez, là, je porte genre des t-shirts blancs 4 jours par semaine minimum. Fait que ça m'en prenait un nouveau pour l'été. Et le dernier morceau de vêtement que j'ai choisi, c'est une autre robe. Elle est comme ceci, c'est une robe maxi beige. Je l'ai pris en medium pour qu'elle soit un petit peu plus loose. Mais le tissu est vraiment stretch. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais c'est comme ligné. Ton sur ton. Je trouvais qu'elle était parfaite pour juste comme le télétravail parce qu'elle avait l'air super confortable, mais aussi pour en voyage le jour, comme aller à la plage, se promener et le soir de pouvoir comme mettre des petites sandales ou des petits talons puis la dress up. Je trouvais qu'elle était vraiment versatile. Ma commande de vêtements arrivait à 93$, fait qu'il me manquait comme 7$ à peu près pour avoir le rabais. Fait que j'ai juste rajouté un accessoire pour comme atteindre le 20% de rabais. Ça valait plus la peine pour moi quand même. Fait que j'ai choisi des petites lunettes 4 eyes comme ça. Je me suis allée cute pour les photos. C'est sûr, ça fit pas avec l'outfit que je porte présentement, puis ça a l'air fou avec l'étiquette, mais il y a quand même du potentiel. Le premier item que j'ai essayé, c'est la robe beige, vraiment confortable. Pour vrai, je le dis tout de suite, je l'adore. J'ai pas les bons sous-vêtements aujourd'hui, fait qu'essayer d'ignorer ça, mais il faudrait que je porte du beige en dessous. Je trouve juste qu'elle est vraiment cute. La longueur est parfaite, puis comme j'ai dit, je vais pouvoir la dress up ou dress down dépendant des chaussures puis des accessoires. Mais vraiment, vraiment confortable. J'ai déjà hâte de la mettre cet été. Maintenant, pour la deuxième robe, j'étais inquiète que le buste fit pas super bien, mais vraiment pas. C'est super cute, puis j'ai serré un peu plus les bretelles pour que ça donne un peu de support. Vraiment, vraiment cute. J'ai l'impression que je m'en vais à un garden party. Je pourrais même aller comme à un mariage si j'avais été invitée à un mariage avec cette robe-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est cute? Est-ce que c'est flatteur? Et voilà. C'est de ça que ça a l'air sur moi. Mais je trouve vraiment que le tissu est comme super beau, le motif aussi. C'est juste la coupe sur moi que je suis pas certaine. Et pour terminer, on a le t-shirt Amalfi Coast. Pour vrai, rien à redire, il est parfait selon moi. Je trouve que le fit est vraiment le fun. Le tissu est super confortable et je trouvais la longueur parfaite aussi. Évidemment, je le porterai pas comme ça. Je suis plus quelqu'un qui va comme toc mon chandail dans des jeans ou des shorts. Mais avec des biker shorts, je pourrais juste le porter comme tel quel, vraiment cute. Vraiment un bon basic que je peux porter à l'année longue. Fait que voilà, je pense que c'est un bon succès ce haul. Je mets tous les items dans la description si ça vous intéresse d'aller les magasiner. Bon vendredi guys, j'espère vraiment que vous allez tenir en équilibre parce que vous êtes sur mon lit en ce moment. Il est 1h20, comme vous pouvez voir, j'écoutais Chapel Room comme je le fais non-stop depuis comme 10 jours, depuis que je l'ai découvert. Je niaise même pas quand je dis non-stop. C'est comme la seule personne que j'écoute toute sa discographie depuis ce temps-là. Ouais, j'ai enfin terminé ma semaine de travail. Je dis enfin parce que je trouve tellement que la semaine n'a pas passé vite. J'ai l'impression que j'ai travaillé 7 ou 8 jours de suite. C'était juste 4 jours et demi, mais c'est pas grave. Il y a des semaines comme ça. Puis la météo d'aujourd'hui me décourage tellement. La seule chose de positive selon moi à la pluie et au temps grisâtre comme ça, c'est le fait que la neige qui reste devrait pas mal tout fondre dans les prochains jours grâce à ça. Fait qu'on va le prendre, c'est correct. Mais ces journées-là, on dirait que j'ai l'impression d'avoir comme 1000 fois moins d'énergie. Et en plus de ça, je suis comme dans les pires journées de mon cycle. Puis si vous avez des règles abondantes ou que vous faites de l'anémie, you know. Mais j'ai l'impression que j'ai comme encore moins d'énergie ces journées-là. Puis je pense que c'est bien normal. Fait qu'on dirait que combiné ensemble, ce matin j'étais comme un zombie. Ça m'a tout pris pour finir ma semaine de travail. Et en plus de tout ça, j'ai fait une belle réaction d'intolérance au gluten hier soir. Je sais même pas pourquoi à chaque fois je suis surprise, parce que je sais que c'est une chance que je prends quand j'en consomme du gluten, que ça peut arriver, mais c'est tellement pas si souvent qu'à chaque fois je me dis « je vais prendre le guess, on va voir, je vais sûrement être correct » et comme 98% du temps, I'm good, au pire je suis ballonnée un peu. Et le 2% du temps, toujours une surprise, tu sais jamais quand ça va arriver. T'as une grosse réaction comme j'ai eu hier, puis mélangé avec les crampes, c'était vraiment super, vraiment un 10 sur 10. Tu sais quand le plus fort de tes antidouleurs ne fait rien pour toi, ça m'a ramené un peu à quand j'ai fait mon infection de dent de sagesse. C'était vraiment super, fait que vous pouvez comprendre pourquoi je n'ai pas filmé. Et j'avais un gros après-midi occupé de meeting aussi hier, fait que j'ai décidé de comme skipper tout ça et de vous reparler aujourd'hui. Comme j'ai dit, il est 1h20, fait que mon plan de match pour le reste de la journée, c'est que je vais aller à l'épicerie comme je le fais pas mal tous les vendredis après-midi depuis comme notre nouvel horaire de job. Je trouve tellement que c'est le meilleur moment de la semaine pour y aller. Pas parce qu'il y a tant de moins de monde que ça, mais j'haïs aller les soirs de semaine parce qu'il y a full de monde au maxi et il reste jamais rien dans les tablettes de mon expérience. Puis la fin de semaine, je veux juste même pas m'aventurer dans les épiceries parce que c'est comme l'enfer. Fait que je vais y aller maintenant, puis le reste de la journée,
relaxer en attendant à ce soir parce que à 6h30 environ, je vais aller rejoindre les filles. Quand je dis les filles, je parle de Eliane et Charlotte pour qu'on se fasse un girls night. Je pense que ça fait presque 3 mois qu'on s'est pas vus. Comme une vraie soirée ou une vraie journée, juste les trois, qu'on peut comme catch up. On s'est vu à ma fête, on s'est vu au chalet au début mars, mais il y avait tellement de monde, puis dans des settings de gang comme ça, t'as pas le temps de vraiment catch up. Fait que je pense que ça va être fun. C'est mon plan de match pour le reste de la journée, assez simple, assez relax, mais j'ai quand même une grosse journée de demain aussi, fait que j'essaie de comme pas prendre toute mon énergie puis d'en garder un peu pour le reste de la fin de semaine. Je me prépare à partir chez Charlotte, puis j'amène mes classiques gin guiria blanche. Je sais qu'ils ont sorti la rosée, mais elle n'est pas encore disponible en SAQ, fait que j'ai trop hâte de la goûter, mais pour l'instant, on va amener celle-là. Puis j'ai amené plusieurs canettes de gourou aussi, le punch pêche mangue, parce que j'ai 2 caisses juste ici, et les filles voulaient la goûter, fait que j'ai apporté une canette pour elles, et des gin guiria pour moi. On est quelques jours plus tard et je me rends compte que j'ai toujours pas conclu le vlog. Fait que je vais terminer ça ici. J'espère que vous avez apprécié ce weekly vlog. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!